Allez, allez. Plus vite que ça, vous retirez vos habits. Enfin, votre gilet pare-balles surtout. On aurait pu faire le maximum, tu l'as pas fait. Le maximum que je l'ai fait, monsieur, mais ce n'est pas moi qui ai les fonds, vous êtes d'accord avec ça? Ah, fallait convaincre tes supérieurs. Et comme c'est mon supérieur, comme vous venez de le dire, moi on me donne des ordres, je les exécute. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Alors, on va se faire le double avec ta vie, mec. Maintenant, ce qu'on veut, c'est plus 500 000. Parce que maintenant, on a ta vie en main. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre un autre négociateur pour toi et pour le pétrole. C'est tout ce qui va se passer. Vous êtes bien conscient que on demande 500 000. On sait très bien que la gendarmerie négocie toujours la vente. Donc on demande 500 000, c'est pas compliqué. On aurait demandé 600 000, on aurait donné 500 000. Donc voilà, 500 000, pas de négociation en dessous. Maintenant, voilà, on va avoir le double. Donc on veut un négociateur tout de suite. Je vais te passer ta radio, je vais te rendre ta radio. Tu vas, je vais essayer d'aller voir dehors pour un négociateur. Va voir dehors, Anthony. Je vais voir dehors pour un nouveau négociateur. On vous envoie un égo. Ferme ta radio, c'est bon. Il est en jeep noir, il a pas arrivé. Je peux parler à la radio? Ah, c'est bon, non, c'est bon. Non, non. Autorisez le appel en radio pour signaler que. Enfin, pour juste appuyer. Bon, allez-y, parlez à la radio. Vous vous dites qu'un mot, c'est tout. Je viens de l'enlever, monsieur. Vous la reprenez, vous faites. Vous... Allez-y, parlez. Allez-y. Douglas, dispatch pour Douglas. Citrep, les 3, 10, 20 demandent 500 000 et demandent un nouveau négociateur. Voilà, et voilà, il mâche mes mots. J'ai pas dit 500 000, j'ai pas dit 500 000. Il me demande de rendre la radio. En plus, vous m'écoutez pas. Je vous ai remis. J'ai dit ce que vous vouliez, j'ai dit que vous vouliez un nouveau négociateur. Maintenant, monsieur, ça repose plus sur moi. Déjà, vous allez baisser d'un ton, monsieur, ok? Vous allez baisser d'un ton, vous allez vous remettre à terre. Et vous baissez d'un ton. Tu oses la voir encore une fois sur moi? Je te tue, on prend le véhicule et nous on se casse. Je me suis fait comprendre ou pas? Vous avez compris? Je vais vous entendre. Est-ce que vous avez compris? Oui, je vous ai compris. Donc maintenant, on ne veut plus vous entendre parler. Ils sont très belles, tes lunettes. Bonjour monsieur, enfin bonsoir pardon. Bonjour monsieur. Je l'ai laissé armé, hein, je pense que... Je vous écoute, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Voici ma plaque. Je préfère savoir à qui je parle, vous voyez. Commandant de gendarmerie Lyon. Donc, je vous expliquais ce qui se passe. À la base, on demandait 500 000 pour partir d'ici et arrêter d'emmerder les citoyens qui veulent faire du pétrole. Maintenant... Monsieur, attendez monsieur, je vous appelle radio, je vous occupe juste, monsieur, à vous. Arrivez sur zone, sur zone dispatch. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu notre somme donc, qui était de 500 000, donc on revendique plus, parce que maintenant on a l'avis de votre collègue ici présent. Donc, on n'est plus à 500 000, on partira du pétrole après ce qui va se passer. Vous nous donnez la somme de 850 000, on part d'ici, on vous rend votre collègue, et vous entendez plus jamais parler de nous. Alors je transmets, monsieur. Transmettez-y. Dispatch pour l'avion. Ils ont le commandant Douglas en otage et ils réclament une somme de 850 000 pour qu'on les entende plus, enfin pour qu'ils partent du pétrole et pour qu'ils libèrent le commandant. Huit cent cinquante mille euros. C'est 10-4. Alors, monsieur, je viens d'avoir. Là, vous allez avoir une attaque surprise du GIGN, donc c'est juste Michael qui tire. C'est pour voir comment vous réagissez. Bien sûr, bien sûr.
Allez, allez, à terre, mettez-vous à terre. Devant moi, vous vous mettez devant moi. Vous sortez votre arme, je vous abats. Tu sors tout de suite, tout de suite. Tu descends de là. Ok, alors, votre collègue a essayé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû essayer. C'est bon, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Je suis prêt à les accueillir. Tout de suite. Toutes les unités sont dégagées directement de la zone et sinon ils menacent de m'abattre. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Arrêtez de tirer tout de suite, s'il vous plaît. Nous avons déjà le major Douglas qui est à terre et il menace de m'abattre aussi. Donc arrêtez tout de suite de tirer sur zone et dégagez la zone, s'il vous plaît. Merci. Vos collègues font les fous, monsieur Leviron. Vos collègues font vraiment les fous. Je pense qu'ils mesurent pas la situation. C'est quoi ce bruit? C'est un très bien, très bien. Le GIGN est parti, vous pouvez reprendre les négociations. Donc c'était le GIGN, on a eu confirmation par le dispatch. Le GIGN. Le GIGN est parti de cette zone. Ils sont engagés. Carrément le GIGN est parti. Alors vous voyez ce qu'a fait votre collègue ici présent? Oui, j'ai bien vu, Vous aurez même sort si vous faites pareil. Je ne tenterai pas quelque chose de si fou, monsieur. Ne vous inquiétez pas. J'espère bien pour vous. Oh. On va reprendre les négociations, monsieur. Donc, on est toujours à... On était à la base sur une somme de 850 000. Mais vous aurez accepté directement les 500 000, ce serait fini comme ça. Mais oui, là, il y a déjà un mort, vous voyez. Donc on est... Écoutez, on plaisante pas. Donc je disais avant qu'on soit interrompu, des ordres bien clairs. Et je pense que le fait que mon collègue soit décédé va faire descendre le prix, je pense. Non. Ah monsieur. Alors là, oui. Vous vous trompez complètement. Il a menacé notre vie. Et il a aussi un petit peu menacé la vôtre. Parce que sans quoi, il aurait tiré, on vous aurait abattu tous les deux. Est-ce que je peux vous faire une proposition, pardon? Allez-y, allez-y. Je peux vous faire une proposition actuellement avec le gouvernement, avec une part participative du gouvernement, de 600 000 dollars, de 600 000 euros, pardon. Mais, monsieur, c'est pas la première fois qu'on a affaire à vous. Comme j'ai dit, votre collègue qui est en train de pourrir par terre, comme vous voyez, on connaît votre système, monsieur. Vous descendez le prix sur chaque somme. C'est-à-dire qu'on aurait demandé un million, on aurait eu la somme actuelle. Donc on veut la somme actuelle. Point. Sans quoi c'est votre vie qui est mise en danger dans ce cas-là, monsieur. Parce que déjà votre collègue a voulu essayer de sauver la mise. Sauf que, regardez, résultat des courses, sa petite fille, oh, genre, c'est qui, là plus son petit peu. Attends. Monsieur Leviron. Oui. Pouvez-vous lever par mesure de précaution, enfin par, ouais, par vous posez vos armes ici s'il vous plaît, j'ai vraiment pas confiance en vous. Vous pouvez la récupérer après quand tout sera ça fini. Quand... Oui, j'ai pu tenir en plus ma confiance tout à l'heure, j'ai l'impression que votre arme dans votre holster, votre arme dans votre holster, vous l'avez posée. Non, oui, je l'ai posée. Je peux transmettre ou pas? Transmettez. Dispatch pour le Viron, il ne veut pas, j'ai fait une proposition à 600 000 euros, il ne veut pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas négocier. Donc il reste toujours sur une base de 850 000 euros. C'est 10-4 pour le commandant. Messieurs, donc j'ai une bonne nouvelle pour vous et au fond une bonne nouvelle pour moi. Un chauffeur on dirait, qui part de Attira arrive avec 850 000 euros dans une valise. Bah voilà, c'est parfait. Donc je n'ai rien demandé, c'est eux qui m'ont dit un chauffeur arrive de Attira avec 850 000 euros. Ils ont compris notre demande. Donc
Est-ce que j'ai bien compris, vous vouliez bien une somme, enfin cette somme en liquide hein, dans une valise. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourrez leur dire que votre vie est encore en danger, qui ne tente rien, parce que vous êtes encore ici, ok? Transmettez. Attendez. C'est discret pour le commandant. Alors, ils vont arriver à la banque fédérale, ils vont retirer les 850 000 euros et ils dépendent dans 5 minutes de la banque fédérale pour arriver à transformation de pétrole. D'accord. Bon, en plus, c'est à côté de la banque, ça tombe bien, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Un départ 5 minutes de la banque. D'accord. Donc là, on va accéder à votre requête, entre guillemets. Il y a Charles qui est parti chercher l'argent et va revenir ici. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les laisser repartir dès que vous avez reçu de l'argent et vous partirez en piqué par mail. Et nous, on va entamer les poursuites sur vous. D'accord ? Ok. Alors attendez, monsieur. Excusez-moi, je dois me sentir. Ouais, c'est le surveil, hein, Steven. Ah oui, t'inquiète pas. Alexandre. Mettez que je bois un coup. Alexandre. Allez-y, ouais. Buvez un coup. On a le droit de faire feu avec le piquet parmi. Affirmatif, à mon top départ, vous pourrez faire feu contre la poursuite. Ok, on a le droit de tuer. Ah, bah non. D'accord. Affirmatif. Attendez, parce que mes amis. Mais à mon top départ, on va maintenant attendre que j'en revienne. Vous pouvez voir. Tenez-vous. Tout à fait, vous êtes sûr que vous n'en voulez pas? Ah non, c'est bon, vous inquiétez pas. Merci. Je peux manger un donut? Oui. Tant que le donut ne cache pas une arme. Non, c'est bon. Et bah c'est bon. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? On a un peu trop de balles en réserve. Pour leur faire comprendre que... Voilà. Quel est votre grade dans la police, monsieur Lévin? Comment donc je réexplique le scénario. Charles revient sur la position pour vous donner l'argent. Vous allez avoir l'argent, vous repartez en pick-up armé, direction Attira. Quand vous allez repartir sur Attira, nous on va vous poursuivre. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez faire feu sur nous, reçu? Affirmatif, Steven. Alexandre. Alex. 6, 4, 10, watch. La mallette d'argent arrive de suite. Ah, bah, reçu. Merde, reçu. C'est votre collègue, monsieur, qui arrive là, sur la zone? Ness. Je demande. Est-ce que c'est la manette qui vient d'arriver sur la zone? User left your channel. J'ai eu de rentrer, Steven. Bonjour. Bonjour. Par mesure de sécurité, je vous demandais de déposer votre arme à terre, s'il vous plaît. Vous pourrez la récupérer en sortant. Ici, maintenant, vous la déposez à terre, c'est tout. Et vous me suivez. Par contre, il y a encore deux mallettes dans le coffre. Ah oui, mais vous inquiétez pas, vous me suivez, vous allez rentrer. Vous allez déposer la mallette dans la voiture. Dans le pick-up? Vous déposez dans le pick-up. À l'arrière, vous le mettez dans le coffre. Monsieur, User left your channel. Oui. Comme vous me paraissez être le leader de cette organisation, on m'a dit que je dois d'abord rentrer dans le convoi qui vient avec le. Vous restez ici tant qu'on n'a pas eu toute la somme. Je vous ramène les deux mallettes et je vous. Non, je vous suis, on sait jamais, je vous suis. User left your channel. Ils aident le commandant, je peux pas faire de bêtises. Hein. On sait jamais. User left your channel. Attendez, je flappe une porte. Voilà. Ok, dès qu'on a la manette, on se barre. Tout le monde dans le véhicule. Steven, en passager. Moi, en conducteur. Bon. Dépose au même endroit. Je vais essayer de faire de la place parce qu'avec
Avec le gros engin, là, on prend pas trop de place. Hein. Pardon, vous donnez autorisation pour prendre mes armes. Après. Après. Pour l'instant, dès que monsieur ici présent aura déposé, aura fini de déposer, ce qu'on va vous demander, c'est vous tous les deux vous mettre allongés ici. Vite, plus vite que ça, s'il vous plaît. On n'a pas 10 ans. Vous vous mettez tous les deux allongés, s'il vous plaît. Vous partez en direction donc, de la frontière prison. Vous vous arrêtez à la prison pour que nous puissions rester en poursuite. Tirez, autant rapide, bien après. Ça va, ça va. Ne tirez pas tout de suite. C'est juste histoire qu'il bouge pas, ok. C'est parti. C'est bon, t'inquiète, j'ai des balles. Ouais, mais tu peux pas recharger, c'est pour ça. Ok, ok. Et je suis rien dire, mais j'ai essayé de. Non, Charles, ouais. Il a pas le droit de faire ça normalement, je suis désolé. Mais. C'est pas du tout professionnel d'avoir fait ça de sa part. Pas du tout. J'étais vraiment surpris. Ouais. Oh, même, je me suis dit non, il va pas le faire. Oui, donc les mecs qu'on est en train de vous poursuivre, on va regarder vos marqueurs. Hein. Oui, t'inquiète pas. Et que tu nous vois, tu nous tiens dessus. Ah, ok, ok. Pas maintenant, pas maintenant. Attends, ah, attends ouais, qu'il soit bien collé, on t'y tire. Ah. Essaye de lire les chiffres dans les roues. Allez, si je le passe pas. Alex qui vient, donc on essaiera de faire un petit truc. Ouais, c'est reçu. Antonio, je tire dans les roues. Ouais, tire dans les roues. Et c'est quand il me tourne le cou, tu vois. Ok, 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 ok. Et commence à faire feu. Pas sur eux, mais sur le côté, tu vois. Histoire que ça les va se péter. Vas-y, vas-y. Non, je sais pas non, si non. Ça pète, mais si ça, si tu peux, vas-y. Merde, non, je pense pas ça pète plus de balles. Ouais, c'est mort. On va sur un tir, c'est ça? Ouais, il sera tiré un peu. Ouais, je vais commencer à tirer. Je peux. Je dois tirer sur eux là? Commence à tirer sur eux. Attends, what? Ils nous ont lâché. Ah, c'est bon. J'attends qu'ils se rapprochent un peu là. Tournez vers un tireur, messieurs. Ok. Et on va jusqu'où? Bien. On va jusqu'où? C'est bon. Alex, on va jusqu'où? Tournez dans la tira, et dès que vous serez à tira, vous faites le tour et vous reviendrez vers l'aéroport. Et là, j'ai le droit de la balle là? Affirmative, Ness. Ok, ok, ok. Couvre, putain! Ouvre le véhicule! Ouvre le véhicule! Ouais, c'est bon, c'est moi là, c'est moi, pas la peine de me battre! C'est moi! Oh! C'était classe! On a eu un petit souci, on a pété le véhicule! Attends, on aurait dit un Terminator le mec, comme il est sorti de là! Il y a des génies, c'est carré! Vas-y, répare, je te couvre! Couvre! Répare! Répare! Ouais, stop, tiens, stop, vous avez tué Mickey, c'est bon. Merde. C'est bon. Arrêtez, stop, c'est tire. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas nous qui tirons là. Ok, je vais faire un petit tour de magie. Félicitations, vous pouvez venir et rejoignez-nous les mecs.